11 décembre dernier, au tribunal de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Toutes les caméras sont au rendez-vous pour un procès qui va faire beaucoup de bruit. Depuis des mois, il est question d'un homme suspecté d'avoir soutiré à une vieille dame une somme astronomique. Les avocats de la partie adverse le qualifient même de prédateur. Maître, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un prédateur ? Si vous connaissez des personnes qui, par amitié, prennent 1 milliard d'euros, je vous remercie de me les présenter. L'homme accusé d'avoir détourné 1 milliard d'euros, c'est ce grand photographe, François-Marie Bagnier. La victime présumée, la femme la plus riche de France, Liliane Bettencourt, 87 ans, l'héritière de l'Empire L'Oréal. Cette grande fortune aurait été manipulée pendant des années par le photographe. Selon ses adversaires, il aurait profité de sa faiblesse mentale due à son grand âge pour lui extorquer au total 1 milliard d'euros. Madame Bettencourt n'aurait pas vraiment réalisé l'énorme montant d'échecs qu'elle lui signait. La secrétaire particulière de Madame Bettencourt a indiqué que M. Bagnier remplissait les chèques, les faisait signer à Madame Bettencourt, et que Madame Bettencourt demandait à sa secrétaire le soir combien il y avait de zéros sur le chèque, quel est le montant du chèque qu'elle avait signé. Du côté de la défense du photographe, on affirme tout le contraire. La richissime héritière avait bien toute sa tête quand elle lui a donné l'argent. François-Marie Bagnier ne craint en rien un procès. Madame Liliane Bettencourt a agi de manière totalement libre et consentante à son égard. Et le procès qui est fait à François-Marie Bagnier est un procès indigne. Alors, que s'est-il passé entre la milliardaire et le photographe ? Lui a-t-elle effectivement donné de son plein gré ce 1 milliard d'euros ? Ou François-Marie Bagnier a-t-il profité de la faiblesse d'une personne âgée ? Le tribunal va devoir démêler les fils d'un intrigant polar mondain. Une énigme à plus d'1 milliard d'euros. Tout commence dans une banlieue chic aux environs de Paris. Donc voilà la rue de la Bordère. Là, il y avait Jacques Martin qui habitait par ici, là. Et puis, dans la rue qui est juste là, il y a Martin Bouygues. Si cet homme connaît bien le quartier, c'est parce qu'il a été le cuisinier personnel de Liliane Bettencourt. Pour la première fois, Thomas accepte de raconter cette histoire stupéfiante. Chaque matin, pendant un an, il a servi les Bettencourt dans cette imposante maison, derrière ce portail. Quand vous étiez en fonction, vous rentriez... Par ici. Ça vous fait quoi de revenir ? De revenir ici, j'ai pas de pincement au cœur. C'est un bon souvenir pour moi, un très bon souvenir même. Un immense parc, une piscine en sous-sol. C'est dans cette propriété calme, avec au mur des tableaux de maître, que vit cette famille de la grande bourgeoisie. Elle, c'est Liliane Bettencourt. Elle est l'héritière de l'empire des cosmétiques L'Oréal, un groupe industriel fondé par son père qui pèse 15 milliards d'euros, ce qui a fait d'elle la femme la plus riche d'Europe. À ses côtés, son mari, André Bettencourt, homme d'affaires académicien des Beaux-Arts, ancien ministre du général de Gaulle. Le couple aura un enfant unique, Françoise. Madame et monsieur étaient charmants. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec eux. Au contraire, toujours à l'écoute, toujours un petit mot gentil. Tout se passait très bien. Jusqu'au jour où la richissime héritière rencontre un artiste excentrique qui va chambouler son existence. François-Marie Bagnier, une personnalité hors norme, selon Jean-Michel Ribes, son ami metteur en scène. Évidemment que c'est un ovni, mais c'est des gens rares, les ovnis. On ne peut pas les traiter comme le secrétaire de mairie de Charenton, quoi. De fait, la vie de François-Marie Bagnier est romanesque. À 20 ans, il devient écrivain et connaît son premier succès littéraire avec un roman salué par la critique, Les résidences secondaires. Une ascension insolente pour ce fils d'ouvrier. Mais le jeune homme à la gueule d'ange ne va pas s'arrêter là. Le romancier se dit aussi artiste peintre. Alors, avec un culot incroyable, il n'hésite pas à forcer la porte de Salvador Dali pour lui montrer ses dessins. Le maître est séduit par l'audace du jeune homme. François-Marie Bagnier fait progressivement alors la conquête du tout Paris. On le verra danser plus tard avec des top modèles comme Naomi Campbell et Kate Moss. Il fréquente le couturier Yves Saint-Laurent. Et il est le parrain des enfants de Vanessa Paradis. Il se fait surtout un nom dans la photo,
avec une particularité, réaliser le portrait d'anonyme au visage marqué par le temps. Vous avez une très 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 belle tête. Il est exposé dans les plus grandes galeries, de Budapest à Los Angeles, en passant par Moscou. Sa renommée grandit. En 1987, c'est la rencontre, quand un magazine chic lui demande d'immortaliser Liliane Bettencourt. Entre l'héritière de L'Oréal, grande dame distinguée, et le dandy, c'est le coup de foudre. Pour le grand reporter Michel Deléan, seul journaliste à avoir pu rencontrer la riche héritière dans cette affaire, ce coup de foudre s'explique. Avec le photographe, Liliane Bettencourt s'évade. François-Marie Bagné est quelqu'un qui la distrait, qui la fait rire, qui l'amuse et qui la sort un petit peu de son milieu, qui est un milieu de la très haute bourgeoisie avec des codes et des conventions qui sont très strictes. C'est quelqu'un qui est pour elle à la fois un ami, peut-être le fils qu'elle n'a pas eu, et éventuellement un amour platonique. Tout ça est un peu mêlé, tout ça est très curieux. François-Marie Bagné est quelqu'un de qualité. Ses propos sont rares, intelligents, drôle, inventif, créatif. C'est quelqu'un qui transforme une réunion, un dîner, en un vrai moment rare et de plaisir. Il est cultivé, il a beaucoup d'esprit. C'est le début d'une amitié qui va durer 20 ans. Selon Thomas, le cuisinier, François-Marie Bagné devient alors un invité permanent à la table des Bettencourt. Il venait régulièrement, souvent en mobylette ou en taxi. Pour dîner, pour déjeuner, ou l'après-midi pour le thé. Il demandait surtout à voir madame. Monsieur l'intéressait beaucoup moins. Il a usé de son pouvoir de séduction auprès de madame pour se greffer, se faufiler, s'accrocher. Pour le chef cuisinier, ce serait donc une amitié intéressée. Car Liliane Bettencourt est généreuse. C'est une grande mécène qui, par le biais de sa fondation, distribue des millions d'euros pour la recherche contre le sida ou, comme ici, la formation de futurs scientifiques. I want you all to the future. Madame Bettencourt finance également la culture, car cette généreuse donatrice est passionnée par le monde des arts. La perfection des lignes, l'harmonie des couleurs, la noblesse des matières, c'est là que j'ai appris à voir. Ce serait donc tout à fait logiquement que Liliane Bettencourt aurait parrainé François-Marie Bagné, qui cumule plusieurs talents artistiques puisqu'il est peintre, écrivain et photographe. Madame Bettencourt aurait donc soutenu son artiste comme les rois autrefois. Quand Louis XIV dépensait des millions de louis or parce qu'il avait envie que Lully l'amuse et que Molière lui fasse des pièces, personne ne disait rien. Donc là, Madame Bettencourt a quand même le droit d'avoir les plaisirs qu'elle veut. Un artiste qui amusait sa riche mécène, selon le chef cuisinier, François-Marie Bagné était bien plus que cela. À l'entendre, il lui dictait sa vie comme un maître à penser. Il envoyait beaucoup de fax, il y avait beaucoup de courriers sur des attitudes à avoir avec les gens ou savoir ce qu'il fallait répondre aux gens. Il était un peu son mentor. D'après le domestique, le mentor aurait surtout cherché à écarter Liliane Bettencourt de sa propre fille, Françoise. J'ai entendu des conversations en parlant de sa fille, disant « c'est pas une bonne fille, tes petits-enfants, ils sont jamais là, personne s'occupe de toi, personne s'occupe de... » Ça, vous l'avez entendu? Moi, j'ai entendu, oui. C'était du harcèlement, de toute façon. Quand il voulait avoir quelque chose, il lâchait pas l'affaire. Est-ce à cause de François-Marie Bagné? En tout cas, la mère et la fille vont s'ignorer pendant des années. Mais à la mort d'André Bettencourt, en 2007, tout bascule. Françoise Bettencourt, la fille, ne supporte plus de voir l'artiste tourner autour de sa mère, qu'elle considère comme fragile. De plus, elle soupçonne le photographe de détournement d'argent. Elle porte plainte contre lui pour abus de faiblesse. Quelques mois plus tard, la police débarque au petit matin au domicile du photographe. François-Marie Bagné est furieux, il proteste à la radio. Vous avez 17 policiers qui viennent revolver au poing chez vous, faire des perquisitions pour des histoires d'abus de faiblesse avec une femme qu'on connaît depuis 40 ans. Ce sont des choses qui sont impensables.
La perquisition va pourtant permettre d'évaluer le montant faramineux des cadeaux de la vieille dame à l'artiste. Maître Olivier Metzner, l'avocat de Françoise Bettencourt, n'en revient toujours pas. La brigade financière chiffre ces sommes à 1 milliard d'euros. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tout vu. 1 milliard d'euros, ça concerne quoi ? Ça consiste des assurances-vie, c'est-à-dire des donations irrévocables, puisque M. Bagnier les a acceptées. Ça consiste dans des œuvres d'art, de valeur, d'auteur remarquable. Ça consiste dans des dons manuels, dans des virements, dans des chèques. Tout cela pour un montant colossal. L'avocat de Françoise Bettencourt pointe le train de vie princier de François-Marie Bagnier. Le photographe est aujourd'hui un riche propriétaire dans l'un des arrondissements les plus chers de Paris. On va traverser. Après avoir été au service de Madame Bettencourt, Thomas est devenu le cuisinier personnel du photographe. Il sait très bien qu'il y a 30 ans, l'artiste ne possédait ici qu'un modeste atelier. C'est là. Aujourd'hui, derrière ces grilles, à l'abri des regards indiscrets, un véritable palais. C'est un hôtel particulier, avec au rez-de-chaussée une très grande piscine qui a été installée, bien sûr qui n'existait pas à l'époque. Il y a également une salle aménagée pour le sport, au niveau de la cave. Et puis ensuite, il y a un showroom pour les photographies. Mais ce n'est pas tout. François-Marie Bagnier aurait également réalisé une autre belle opération immobilière en achetant un appartement qui jouxte son hôtel particulier. C'est là. C'est là. Donc vous avez toute cette partie-là. Donc ici, on voit 6 fenêtres. Tout a été refait à neuf à l'intérieur. Tout est neuf. Et ça appartient à M. Bagnier. Et entre cet appartement, conçu pour organiser des réceptions, et son hôtel particulier, François-Marie Bagnier n'a pas à descendre dans la rue comme le commun des mortels. Il y a un passage entre les deux immeubles. C'est quoi un passage secret ? Un passage secret, on peut dire, avec une porte électrique qui peut être fermée au bon vouloir de monsieur. C'est une porte électrique en forme d'étagère, si vous voulez, et quand elle est fermée, on ne voit pas que c'est une porte. Nous tentons de rencontrer le propriétaire des lieux. C'est l'assistante de M. Bagnier qui nous répond. Nous sommes journalistes qui nous départaient. Je voudrais savoir si on peut voir M. Bagnier. M. Bagnier n'est pas disponible pour le moment. D'accord. Non. C'est quelqu'un qui a autre chose à faire que de s'occuper de tous les problèmes dont on veut bien l'affubler en ce moment. Il est serein, il est dans son travail, il écrit en ce moment. Donc il n'a pas l'intention d'être dérangé. L'intéressé ne veut pas commenter le détail de l'affaire. La fille de Liliane Bettencourt affiche, elle, son intime conviction. Sa mère, âgée de 87 ans, ne posséderait plus toutes ses facultés mentales. Le photographe en aurait profité pour lui soutirer le milliard d'euros. En France, chaque personne fait ce qu'il veut de son argent, sous réserve de disposer de tous ses moyens intellectuels. Et si on ne dispose pas de ses moyens, eh bien, on est en état de faiblesse. Il y a donc de la part de ceux qui reçoivent l'argent ce qu'on appelle en droit pénal un abus de faiblesse. Reste maintenant à l'avocat à prouver devant la justice que Madame Bettencourt était bien vulnérable. Autrement dit, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait quand elle signait des chèques au photographe. Mais sur ce point, crucial, les avis divergent. Sur ces documents, filmés le 24 septembre dernier, à l'Université Paris-Descartes, l'héritière L'Oréal ne montre aucun signe évident de sénilité face à des étudiants. Est-ce que c'est une manière de sentir la vie qui vous donne des désirs différents ? Oui, c'est ça aussi. Mais il faut de la persévérance. Beaucoup de persévérance. Sinon, oui, c'est vrai. Mais les images ne montrent pas tout. Dans l'intimité des Bettencourt, plusieurs domestiques, comme le chef cuisinier, se souviennent, eux, de certaines absences de la part de la vieille dame. C'est pas parce que c'est la première fortune de France qu'il n'y avait pas de trop de mémoire et de problèmes. Hein. Il y avait certaines, un côté un petit peu, à dire, dans la lune. Elle se rappelait pas, elle confondait les personnes, les prénoms. Il a dû profiter de ses absences, il a dû repérer tout ça. Agacé par la polémique sur sa santé mentale et ulcéré par les accusations de sa fille portées contre son ami le photographe,
La discrète Madame Bettencourt choisit de sortir de son silence en donnant en décembre 2008 une interview exclusive à un grand hebdomadaire national. Il faudrait tout de même que ma fille se rende compte que je suis une femme libre. Autrement dit, libre de faire ce qu'elle veut avec son argent et que ce procès n'a pas lieu d'être. Au tribunal de Nanterre, après 5 heures de débat acharné, les magistrats viennent enfin de décider s'il y aura un procès contre le photographe. On peut vous poser une question ? Merci. La présidente du tribunal ne veut rien dire. La réponse viendra des avocats. C'est la fille de Madame Bettencourt qui a remporté la première manche. Ce procès aura lieu comme je l'espérais. Je suis battu pour cela. En plus, une expertise va avoir lieu au préalable. Et cette expertise démontrera l'évidence, l'état de santé dans lequel se trouve Madame Bettencourt. Il faut arrêter la méchanceté comme ça sur Monsieur Bannier. Ils sont fausses, je veux convaincre un jour. Arrête, oui, écoute, non, elle est vraiment pas ce que vous dites. La guerre entre avocats ne fait que commencer. Qui dit vrai ? François-Marie Bannier a-t-il ou non manipulé Liliane Bettencourt ? Le procès aura lieu ici, à Nanterre, en juillet prochain. Le photographe risque au maximum 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Quant à la fille de Madame Bettencourt, elle dit ne pas être motivée par l'argent. Elle ne demande pas la restitution du milliard, mais seulement 1 euro symbolique de dommages et intérêts.